est back aujourd'hui pour le début d'une nouvelle série sur la chaîne. Une nouvelle série sur Arc. Oui, encore une autre série sur Arc, ça fait beaucoup là, non, vous allez me dire. Mais en réalité, je suis vraiment super chaud pour commencer cette série, puisque ça va être la série de l'été. Je vais essayer, à chaque fois qu'il va y avoir un petit truc, exemple Noël, l'été ou quoi que ce soit, j'essaie de me faire une petite série. Là, il y a eu énormément de changements sur Arc, j'ai vu énormément sur leur chaîne YouTube. Ils ont mis plein de trailers, je vais essayer de découvrir ça avec vous, tout simplement. Lors de cette série, je vais m'autoriser quelques fois à utiliser des codes, exemple si je suis buggé, à utiliser des codes pour me débugger et des affaires du genre, et pour aussi découvrir, exemple, les nouvelles emotes de l'été et tout ça, et les nouveaux skins. Et tout ça, je vais sûrement utiliser des codes, alors je vous avertis tout de suite, ça va pas être du pur vanilla cette série, ça va être plus en mode détente, chill. Il va y avoir aussi des lives sur Twitch, là le premier épisode, je le fais hors live, mais les prochains, quand je vais m'avancer plus, ça va être sur Twitch tout simplement, puisque ça me tente de faire du Twitch plus cet été, et j'ai plus rien, j'ai pas ben de trucs à faire pendant l'été, alors ça va me désennuyer un peu. Alors ce soir, on va essayer d'explorer la map, d'établir des bases un peu partout. Et puis voilà, alors le but, ça va être, je sais pas où on va s'installer. Peut-être proche de l'île des Carnots. Peut-être comme dans notre autre série. Mais pour le moment, on va commencer à l'autre bout de la map. Je vais explorer. On va essayer le plus rapidement possible, surtout, d'adopter soit un Carnot, un Allosaur, un Écus ou quelque chose pour se défendre et pour aller vite, ça pourrait être bien. On va spawn ici, comme dans un de mes anciennes parties arc que je faisais il y a environ un an. On va spawn là, et puis on va peut-être commencer notre base là-bas, on sait jamais. En espérant qu'il n'y ait pas trop de Carnot ou de Rex, parce que là-bas, ça se peut qu'on tombe sur des dinos assez dangereux. Mais bon, aujourd'hui, on commence tranquillement ensemble. J'ai pas trop modifié mon personnage, pour être bien honnête. J'ai plus... J'ai juste amaigri un peu les jambes, mais à part ça, j'ai pas trop modifié quoi que ce soit. Ouais, c'est un personnage normal, quoi, ben, normal. Très musclé, mais environ normal. On se retrouve en jeu, tout simplement. On est ici, je me souviens plus trop, c'est quoi la map? C'est un peu plus par là, je pense, ma base, non, que j'avais faite avant. Ouais, c'est un peu plus par là. Je pense qu'on va, tout d'abord, on va commencer le jeu, hein. On va... Le jeu il change pas, on ramasse quelques petites pierres. Comme tout début, ça fait plaisir. Le rythme de vidéo sur la série, peut-être 3 vidéos par semaine de la série. Ça pourrait être bien, on pourrait passer sur, partir sur cette base-là. Je vais pas faire autant d'épisodes que sur Valguero. Puisque Valguero, j'ai littéralement arrêté la série parce que c'était trop. Je visais trop haut, je tournais peut-être 5 épisodes dans une journée. Je faisais vite fait le montage, puis le montage était pas fou. Puis ensuite, je mettais la vidéo en ligne, une vidéo par jour. C'était un peu trop, j'appréciais pas trop, pour être bien honnête. J'appréciais plus, c'est pour ça que j'ai arrêté la série. En plus, la map, puisque Arc c'est un jeu qui a énormément de bugs de base, et énormément de lag, et en plus que je suis sur PS4, ça bug encore plus. Fait que les autres maps sont pas extra belles. Finalement, c'est des beaux paysages quand tu te rapproches, mais de loin, on dirait juste une grosse plaine dégueu. Et il faut que tu t'approches pour voir les arbres et tous les détails. Alors, comparément à The Highland, qui est déjà un peu mieux comparé aux autres maps. C'est pour ça que j'ai arrêté les autres séries sur les autres maps. Mais à part ça, je sais pas si on va retourner à un moment donné sur les autres maps. J'en ai aucune idée. Tenu en tissu, on va être bien honnête, ça sert à rien. Cours d'empot, on est juste à côté de l'eau, ça sert à rien non plus, alors on va pas apprendre des trucs qui est pas super utile. On va faire nos petites stuff de base, puis on va attendre d'avoir l'armure en cuir pour avoir une armure, puisque l'armure en tissu, ça sert vraiment à rien. Et puis voilà, alors il me faut, je crois, des fibres. Ouais, peut-être un mois. Ça s'arrête d'allure. Environ un mois que j'ai pas joué à Arc. Fait que
Je me souviens plus trop des crafts en plus que là c'est au début, fait que je me souviens plus trop trop. On va faire la petite. On va prendre ça. Est-ce qu'on se construit notre base? Ouais, on va commencer à construire notre base peut-être dans cet épisode. Peut-être qu'on va commencer. On va faire la petite porte. On a les petits crafts de base. Et il nous faut surtout du bois. On va aller chercher du bois, puis on va se faire un peu. Ah ouais, ça va être dur. Ça va être dur puisque là, on a vraiment pas beaucoup de poids. On va se faire 5 lances pour commencer. Ça pourrait être pas si mal. On va se faire une petite boîte. Je sais pas où on pourrait commencer. Faire notre première base, je sais pas trop trop. Peut-être en haut. Je suis pas sûr. Je sais pas. Je sais pas. C'est loin de l'eau, puis puisque j'ai pas de gourde, il faudrait que je sois proche de l'eau. Ok. On va aller là-bas. On va aller là-bas. Entre les. Oh, il y a plein d'oiseaux en plus ici, c'est bien. C'est bien, on va revenir les tuer plus tard, mais on va s'installer là-bas, en dessous des deux. En dessous des deux gros rochers. En espérant qu'on ne te croise pas de Dino Alpha, parce qu'ici il y a un spawn de Raptor Alpha, je crois. Puis à un moment donné, j'ai même croisé des Carnot Alpha. Bon, on va reprendre notre énergie puisqu'on n'a plus rien. Ah, ça va être dur. Ça va être dur de se réhabituer au début, puisqu'au début, tu meurs en peu de coups. Ça prend pas beaucoup de temps avant que tu sois fatigué. T'as pas beaucoup de poids. Il faudra se réhabituer, les potes. Il faudra se réhabituer, mais ça devrait être correct. De toute façon, ça va être vraiment un let's play chill. On va pas se presser. Et puis voilà quoi. Voilà. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ouais, s'installer ici, je pense que ça pourrait être bien. C'est bien ici, non? On va mettre une petite base là pour le début. Puis on va voir pour la suite hein, de l'aventure. Pour le moment, on va essayer de poser notre première caisse, première structure sur toute la map. Bien évidemment, j'ai enlevé le choc des structures parce que sinon ce serait trop chiant pour construire et tout. On va tout d'abord poser qu'est-ce qui est lourd. Moi, j'aime bien trier par poids. Par poids, voilà. Trier par poids, on met tout ce qui est lourd puis qui sert pas beaucoup. Premièrement, les trucs qui servent pas pour le moment. Puis ensuite, ça fait juste faire chier. Et tu mets ça comme ça pourrait être bien pour le début. Ça, c'est un bon début, les potes. C'est un bon début. Ah merde, j'ai mis le feu de camp. C'est pas ça. C'est pas un bon début. C'est pas un bon début. Si j'ai pas de feu de camp, c'est pas fou. On va mettre le peu de viande qu'on a récupéré sur le listrosaure. On va la faire cuire. C'est déjà bien. On va enlever ici. On va se faire un peu de place pour commencer à construire notre base. On va récupérer surtout des branchages. En plus, à taper sur les arbres avec une pioche. Au début, j'ai remarqué ça avec mon ami. Puis ça donne pas mal d'XP. Ça me donne pas mal d'XP normalement. Sac de couchage. On va prendre un sac de couchage. Puis je pense que ça va être bien pour le moment. Ok. Il me faut du bois, des. Ouais. Ben, c'est. On va libérer d'abord un petit terrain ici. Puis avec tous les trucs qu'on va avoir récupérés, normalement, on devrait avoir assez de ressources pour faire une petite base. Pour faire une petite maison de base. Oh, je venais de le remarquer. Est-ce qu'on la prend tout de suite ou pas? Est-ce qu'on la prend tout de suite? Ça pourrait être intelligent. Ouais, on va la prendre tout de suite. Parce que de toute façon, notre base qu'on va voir. Mon but, c'est pas de finir le jeu dans cette série, je tiens à le dire. Alors, c'est pour ça que les notes, on va pas attendre pour les Rex ou quoi que ce soit. Juste 3 niveaux? C'est étrange. C'est pas une bonne note alors. Si c'est juste 3 niveaux.
Mais surtout, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est le bonus d'XP. Fait que là, je vais m'en battre un peu les couilles, puis on va en profiter pour prendre des ressources, puis libérer le terrain, parce que le double d'XP, regardez mon XP, elle va monter beaucoup plus vite, fait qu'on va en profiter pour un peu dégager le terrain le plus rapidement possible, puis pour commencer à construire les bases. Voilà, juste un arbre, ça me donnait énormément de ressources. C'est parti. On va commencer par 9, peut-être. 9. On va commencer par 9. Et tout ça va me donner quand même pas mal d'XP, les potes. Ça va me donner quand même pas mal d'XP, ça c'est cool. Pendant que ça se craft, on va apprendre des trucs. Ok, qu'est-ce qui est intéressant d'élever? Ok, alors. Bolas, c'est trop utile. Ensuite, on a mortier. Ça donne pas mal d'XP. Ça, c'est bien. Peut-être lance-pierre, ça pourrait être bien aussi. Lance-pierre, ça pourrait être bien. Du coup, c'est parti. Ça va bientôt me donner un autre XP ou un autre niveau, je veux dire. Là, on apprend l'arc dès le début. C'est bien. Finalement, on va faire une petite technique du début, les potes. Je sais pas si vous la connaissez, mais elle est très très efficace. Vous mettez deux trucs comme ça, puis ensuite vous récupérez les matériaux. Okay, j'ai vu ça sur le stream, c'est assez efficace. Vous mettez ça, ça vous donne un peu de matériaux, puis vous en reconstruisez d'autres pour vous faire de l'XP dès le début. Je veux juste avoir les crafts pour les trucs en bois. Puis comme ça, notre maison, elle va pas être en chambre, elle va être directement en bois, les potes. Ça, c'est un début simple et efficace. On va en reconstruire peut-être un autre. Je crois que ça va être suffisant. Voilà, c'est suffisant. Comme ça, on a 200 de poids. Niveau 11. Et là, on peut commencer à apprendre quelque chose de minimum intéressant. C'est parti. C'est bien là. C'est bien. Ouais, nos trucs, on va reliposer. On va relipéter pour nous redonner un minimum de matériaux. Et puis voilà, on s'est déjà fait quand même pas mal d'XP. On va se faire aussi quelques. Bon, les flèches, on va en faire 20 pour le moment. Ça va être suffisant pour le début. Ça va être suffisant. Flèches, on va mettre ici. Et puis toi, t'es niveau combien? Niveau 16, tu peux. C'est nul à chier. Bon, on a déjà un arc. On est pas mal bien équipé, je trouve, pour le début. Ok. Ok. On va se faire un petit stuff de base, ça veut dire petit truc comme ça, quelques petites bolasses. Et puis on va tuer quelques petits pteranodons et des trucs comme ça. On va essayer d'avoir un. Je vais pas avoir un niveau 150, mais avoir un minimum de niveau. Je sais pas, un niveau 60 ou quoi que ce soit, ça pourrait être bien. D'en construire 5 pour le début, ça va être suffisant. Juste une flèche comme ça. Faire quand l'arc est comme est là, parce que dans absolument non, c'est pas ça, comme ça, puis ensuite je pose ça ici. Ok, t'aurais pas dû te poser, mec. Je suis désolé. Mec, t'as combien de vie? Combien de vie? On récupère de la peau. Et voilà, on se fait un petit niveau en plus. Franchement, un bon début. Un très très bon début, les potes. Très très bon début. Ok. On peut apprendre quoi? On peut apprendre. Ouais, c'est intéressant, mais. Mais on va garder quelques petits points quand on voudra avoir quelque chose
Très utile. Bon, ok, on va récupérer notre bouffe, on va en mettre. C'est le début, hein, les potes. C'est tous les débuts de arc commencent comme ça. Ok. De base, je voulais faire le let's play en coop, mais mon pote a pas voulu puisqu'il joue à un jeu. Un autre jeu, puis il adore le jeu, puis ça lui tente pas de jouer à Ark. Pas grave. Pas grave, pas grave. Ok. On s'est fait un petit stuff. Je sais pas encore comme quoi va ressembler à quoi va ressembler ma maison. Bon. Jusqu'au début, c'est sûr. Je vais essayer de reconstruire une caisse de stockage, puis on va essayer d'aller farmer du bois puisque au début c'est dur hein, aller farmer du bois puisque t'as pas de poids sur toi, t'as pas de poids. Oh non, c'est pas un défi, je me suis trompé. On va essayer de mettre le plus de trucs possible. Ok, puis la viande on va la garder pour la mettre dans notre board d'inventaire. Puis on va essayer d'aller un mini peu plus loin pour aller farmer du bois. Parce que ça me tente pas de péter la petite forêt qu'on a ici. C'est beau et je veux pas péter ça. Peut-être aller un peu plus loin. Oh, premier fight. Premier fight qui va avoir lieu, les potes. Allez, viens, mon tabarouette. Et voilà, premier petit fight remporté. Assez simple. Un arc pour le début, c'est très 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 bien. Ça fait plaisir. Ensuite. Non, pas pour le moment. Pour le moment, on va se concentrer juste pour aller farm un peu. Et puis aussi pour construire des trucs en bois, parce que le bonus d'XP va bientôt ne plus avoir lieu. Ça serait bien avoir le plus d'XP possible. Il nous reste environ 2 minutes. Ah oh merde, j'ai pu. J'avais oublié mon poids. Bon, le temps qu'on y aille, ça va prendre trop longtemps. On va jeter 25. Ça devrait être pas pire. Puis on va aller courir pour se fabriquer quelques petites fondations en bois qui va de base, qui nous donne énormément d'XP pour le début. Et en plus que là on a le bonus d'XP, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, les potes. Ok. Alors, est-ce que tout est là-dedans? Oui. Prends ça, prends ça. Est-ce que il y a des trucs là-dedans? Non. Ok. C'est parti, on va se construire de tout. Juste 4. Pour le début, c'est suffisant. Mais on va en construire d'autres, bien évidemment. Parce que 4, c'est pas assez. Juste voir. Oh, ça nous donne presque un niveau entier. Une chose qu'on a bien fait de prendre la note. Hein, puisque pour le début, ça va être très utile. Ah, presque un autre niveau. Presque un autre niveau. On va essayer quand même d'aller récupérer le bois là-bas. Ouais, on a récupéré encore. En réalité, c'est. Je pensais pas que ça allait être aussi bien de prendre. Ok, bingo. Je crois qu'il nous faut encore du bois. Je pense que c'est ça, c'est peut-être d'autres. Parce qu'on avait beaucoup d'autres sources. Ok, on va. Il en a moins d'une minute. Ouais, il nous manquait encore du bois. Ok, en 45 secondes. On pète cet arbre-là. Et ensuite, on construit. On construit vite, 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 vite. Plus de trucs possibles. 4. C'est bon, ça. Je pense qu'on va avoir pas mal de niveaux, là, aussi. Vite, 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 vite. 30 secondes. Ça devrait passer.
Ça va nous avoir donné encore quelques petits niveaux, puis ensuite on va pas avoir le temps de farmer pour. Hey, niveau 18! Ouais, c'est un bon début. C'est un maudit bon début. Bon, ça pourrait être bien de se faire une petite armure, non? Quoique. Apprendre des trucs les plus importants, grande armoire. Ça, c'est pas si important. Pour le moment, t'es là. Pas grave, les armures. On va se concentrer sur notre petite base. Puis les armures. Là, au pire, on a 8, on a quand même 8 fondations. Pour un début, c'est bien. J'ai une petite idée pour la base. Je sais pas si ça va être beau. Et là, il faut penser à la pierre. Si on met les murs, ça devrait être correct ici. Peut-être 3 comme ça. Ok. Ouais, ça, ensuite on met. Ouais, ça peut être bien ça pour le début. Si on avance par là, ça devrait être correct. Ouais, ça pourrait être bien. Ouais. J'ai une petite idée. J'ai déjà une petite idée. Ok. Pour faire d'autres petites fondations. Non, arrêtez pour le début. On va peut-être essayer de faire ça. On va continuer, puis ça va partir en farm, hein. Ça va partir en farm pour le début. Pour se créer le début d'une petite base, ça peut être bien. Et ensuite, on va voir. Pour la suite. Déjà là, faire la base, ça va me donner quand même pas mal d'XP. Parce que toute l'affaire en bois, ça va me donner beaucoup d'XP, quoi. Bien évidemment, je vais pas tout faire la base dans l'épisode, sinon l'épisode va durer trop longtemps. Peut-être. Oh non, j'ai oublié, il faut que je fasse ça. Ah, ça devrait aller finalement là. Dommage. Ah, ça c'est trop chiant. Au début, j'avais oublié. Comment c'était chiant de ne pas avoir de loot pour voir les niveaux de dino là. C'est quoi les petites lignes comme ça? Je me demande c'est quoi. C'est trop chiant. Mais ça va, c'est pas si dur à faire, il faut juste du cristal. Mais le cristal, je sais pas s'il y en a proche d'ici. Et pour le moment, l'objectif, ça va être juste de. Pour le moment, je trouve ma base là, elle est bonne, non? J'aimerais bien faire. Tu vois, ici, ça serait l'intérieur. Ici, peut-être qu'il y aurait genre un escalier pour monter en haut. Ouais, c'est compliqué à expliquer en réalité. Pour le moment, je trouve ça pas mal. Je pense que je vais faire ça. Là, la base, elle est bonne. Il faudrait juste faire les murs et tout. Et tout ça, ça va prendre pas mal de temps. Alors, moi, je vous propose. Là, on est bien. On a tout fait ça. Je vous propose qu'on se laisse là pour le premier épisode. Ça a été un épisode quand même assez court. Mais pour le prochain premier épisode, je trouve qu'on est bien. Prochain épisode, la base va être finie. J'ai énormément monté de niveau. Mais niveau stuff, j'ai avoir fait aucun stuff. J'allais faire le stuff et tout avec vous dans le prochain épisode. Mais la base sera déjà finie. Peut-être pas l'intérieur, mais au moins l'extérieur sera fini. Niveau du stuff, normalement je serais pas super avancé. Je vais essayer d'avancer avec vous. Ouais, je vous propose ça. La prochaine fois, peut-être qu'on va faire la forge. Je vais être au moins rendu à ce niveau-là. Alors, les potes, j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode. Dites-moi dans les commentaires si la petite série vous hype, si vous avez hâte à la suite. Moi, franchement, je suis hypé par la série. J'ai vraiment hâte de vous filmer le prochain épisode pour voir comment notre base va être rendue. Alors les potes, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Peace.